direction la Côte d'Ivoire, Marcel Amontano pourrait ne pas échapper au même sort que le président des Générations et Peuples Solidaires, son Excellence Guillaume Soro. Les détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Dans les coulisses de la démission de Marcel Amontano, qui pourrait ne pas échapper au même sort que Guillaume Soro, décryptage avec Drissa Ouattara. C'est en croire qu'il ne se creuse pas trop les méninges, car il s'agit de porter des coups bas aux adversaires politiques. Si l'on en croit Jeune Afrique dans son édition en ligne du 7 avril dernier, le clan du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour convaincre Marcel Amontano, qui voulait claquer la porte au rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, avait vertement menacé celui qui a été jusqu'au 18 mars dernier ministre des Affaires étrangères de sortir des dossiers contre lui. En termes simples, le chef du gouvernement ivoirien, imposé le 12 mars dernier comme candidat unique du parti présidentiel à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020, redoutant le départ de l'ancien directeur de cabinet d'Alassane Ouattara, a menacé de dévoiler des combines dans lesquelles celui-ci aurait trempé. En clair, il s'agit d'un chantage. Pour qui suit l'actualité ivoirienne depuis quelque temps, cela n'est guère surprenant. Ainsi fonctionne le régime ivoirien depuis près de 10 ans. Et le cas le plus palpable, c'est bien le sort réservé à l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, qui a claqué la porte au parti unifié en janvier 2019. Non content de l'avoir poussé à la démission de la présidence du Parlement ivoirien dans des conditions totalement ubuesques, le régime d'Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour créer des ennuis à l'ancien secrétaire général des Forces Nouvelles. La rébellion ivoirienne, qui a pourtant porté le combat de la candidature de l'ex-fonctionnaire du Fonds monétaire international pendant près de 10 ans. Ainsi, depuis le 23 décembre 2019, Guillaume Soro, qui a été empêché de regagner son pays, est sous le coup des poursuites judiciaires qui ressemblent plutôt, à y voir de près, à un complot politique visant à barrer la route de la présidentielle d'octobre à un candidat jeûnant. Après avoir servi mon pays au mieux depuis toujours, après avoir exercé le pouvoir au plus haut niveau de l'État ivoirien, après que j'ai décidé de quitter la présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne, voilà que le pouvoir en place prend la décision arbitraire et totalement infondée de m'interdire de rentrer dans mon propre pays. La seule raison, je suis candidat à l'élection présidentielle et désormais opposant au système Ouattara, se fonde à croire l'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Un argument que partage l'ONG de défense des droits humains, Amnesty International. Amnesty International considère que la période de poursuites judiciaires contre Guillaume Soro et les arrestations de ses partisans et de ses proches sont très suspectes. Les accusations semblent être motivées par des considérations politiques, relève l'organisation qui est loin d'être la première ou la seule à partager cette opinion.